Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est actuellement 13h et je vais partir pour le festival interceltique puisque je suis invité par West France pour voir la régie, les coulisses, tout ce qui se passe en dehors du festival interceltique. Et bien sûr ce soir on sera au stade, dans la régie du stade. Mais d'abord va chez West France parce qu'on a d'abord un petit truc à voir en régie au club. Ça s'appelle, c'est une nouvelle salle pour le festival interceltique, totalement assis. Donc la régie d'un concert folklorique avec West France. C'est parti les gars. Bon bah on vient d'arriver, on est dans les coulisses là. Mais en fait les coulisses là pour l'instant, regardez à quoi ça se résume. Ça se résume à de la bouffe. Bon c'est normal, d'un autre côté c'est les coulisses. Donc là on va faire la régie, on va visiter la salle, parce que c'est une nouvelle salle assise. Du coup le but là ça va être de vous montrer un peu les répétitions, la salle de concert, la salle de régie, la salle aussi où les artistes se préparent. Et puis vous montrer un petit peu les répétitions. Mais le plus gros c'est ce soir, ce sera au stade du Moustoir à Lorient. Ce sera dans la régie avec les régisseurs. On va faire la grande visite du stade sous les grands écrans, etc. Et on va juste se régaler. Mais là je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. D'abord dans une plus petite salle qui s'appelle le club. Bon, là on est arrivé au club. Et comme vous pouvez le voir, ils sont déjà en train de faire des répètes. Et là-bas, il y a un énorme bar, on va aller voir ce que ça donne un peu ce bar. Pas mal de différentes bières. Bon, je pense à régaler plus d'un. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter sur scène. On va regarder un peu ce que ça donne. Déjà, ce petite salle de club. En plus, la nuit, c'était DJ Breton. Et ça se transforme en boîte de nuit. Ça s'appelle pas le club pour rien. Bon, on est arrivé sur scène, les gars, je parle pas trop fort là. Regardez, ils sont en train de répéter, enfin là ils sont en train de boire leur café surtout. Et là regardez, les gens commencent à arriver. Les artistes sont déjà dans la place. Mais ce qui est très perturbant, c'est que quand on se met là, ça fait très flipper quand même. De l'autre côté, je vais aller vous montrer, on a la partie qui est plus son, etc. Donc je vais juste vous montrer rapidement. Et puis après, ce sera rendez-vous au stade du Moustoir. Voilà. On monte à la partie son. Et là... Non, moi ça rentre pas. Hein. Ah, ça rentre pas. Plus, on a rien. Wait a minute. Wait. Dis-lui d'arrêter au batteur. Le batteur, il vient de se prendre un stop. Légendaire, les gars. Légendaire, le stop. Bon, c'est les répétitions, quoi. Les répétitions avant le show de 14h30. Je pense que nous, on va bouger. Puisque là, ils vont commencer le spectacle. Et moi, je vais pas vous filmer tout le spectacle, vous imaginez bien. Mais en revanche, on pourra se retrouver ce soir pour le grand festival interceltique au stade du Moustoir. Allez, à tout à l'heure. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on n'est pas n'importe où. On est au Moustoir, dans le stade de Lorient, puisqu'on va assister aux coulisses et surtout en loge au spectacle interceltique du festival interceltique, d'ailleurs du festival celtique interceltique, je vais y arriver. Et aujourd'hui du coup on est regardé dans le stade et on va avoir accès à tout ce qu'on veut. Bon là faut suivre le groupe de touristes parce que sinon on va se faire virer parce qu'on est invité par West France. Oui, ça j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs, merci à eux, parce que sans eux on pourrait pas faire ça. Donc là on suit les abonnés qui ont gagné des places justement pour faire la même visite que nous, sauf que nous ben, on n'est pas abonnés, enfin pas encore, mais allez on y va, c'est parti. Bon là on est arrivé au quart régie de France TV puisque ça va passer aux infos ça va passer en prime time. Là on va avoir accès au quart régie qui est juste là. On va rentrer dans le quart régie. Allez-y, bonjour. Et regardez, c'est assez impressionnant. Donc là c'est tout ce qui est vidéo. On a un retour sur tout ce qui se passe dans le stade de Lorient avec d'ailleurs des répètes qui sont en cours. Et ici du coup c'est tout ce qui est images. Ici, c'est là où on fait la correction de toutes les caméras. Toutes les caméras, ok. Chaque vol, c'est une caméra. Ok. Et en fait, tu changes quoi, la colorimétrie? Ouais, en fait, il faut pas que, tu vois, s'il y a un plan, s'il y a deux caméras qui font la même personne, okay. Il faut pas qu'il y ait une image où le mec soit rouge et l'autre soit bleu. Ok, et oui. Deux, ils ont la même couleur, tu vois. Ok, d'accord. Ah oui, donc tu vas gérer ça, ok, putain, et c'est du coup, cool. Tu vois, en direct, là, ouais. Tu gères le diaph. Ah ouais. Tu gères le noir, tu gères. Rouge. Et tu te cales par rapport à l'image qui arrive en direct ou alors est-ce que des fois c'est un pré-réglage que tu laisses En fait il n'y a pas d'image qui arrive en direct, c'est nous qui réglons la caméra selon ce qu'on veut. Ah, tu règles la caméra selon ce que tu veux montrer, ok. Comme colorimétrie. Comme colorimétrie, ok. Et là tu gères tout sur les petites caméras aussi en même temps. C'est qu'on voit toutes les caméras qui arrivent ici. Ok. Et après ici c'est vraiment le moniteur. Et ici c'est là, c'est le moniteur pour corriger les couleurs.
Ok, et ça, ça te sert à quoi du coup? Bah, ça, c'est un oscilloscope. Ok. Là-dessus, on voit le signal de la vidéo. Et en fait, on a des standards, des normes. Ok. On doit rentrer dans les normes. Rentrer dans les normes pour pouvoir. Ok, il y a des normes pour pouvoir diffuser. Je savais pas, tu vois, tu viens de m'apprendre un truc. Tu vois, il y a des normes pour diffuser à la télé. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui va passer à la télé, c'est ça, dimanche soir? Ouais. Et du coup, vous êtes là pour enregistrer ça. Ouais. Ok. Bah, merci pour, ce petit interview. Bon ben on vient de sortir du camion de France Télévisions. Ça s'est super bien passé, c'était grave cool, super impressionnant. Je savais pas qu'on pouvait loger autant de trucs dans un camion. Et vous avez pu voir la personne avec qui j'ai parlé, en fait elle gère tout ce qui est colorimétrie, donc vous avez pu comprendre, hein, c'est pas bête. Et en fait je savais pas qu'il y avait une colorimétrie spéciale à respecter pour passer à la télé. Genre tu peux pas mettre n'importe quel bleu, n'importe quel rouge. Ça c'est assez intéressant. Et donc là, je sais pas où on va. Maxime, on va où là? On va normalement, je sais pas, dans les coulisses, dans les vestiaires en fait. On va dans les vestiaires du festival. Donc en gros, dans les vestiaires, c'est là où les artistes et les joueurs de foot, puisque je le rappelle, on est au Moustoir à Lorient. Bon, du coup, on sera juste là-haut pour regarder le spectacle, donc je pense qu'on va être très 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 bien. Et d'ailleurs, bah, là, faut continuer la visite parce qu'ils sont partis sans nous, en fait. Et derrière moi se trouve la grande scène, donc c'est la scène où tout le monde va venir pour faire justement sa représentation. Ce sera filmé aussi sur un énorme écran qui est à ma droite et du coup qui sera retranscrit directement à la télévision puisque c'est pour France Télé. Du coup, ce sera France Télé dimanche à 20h et du coup, nous, on sera de l'autre côté. Le vestiaire, bon vous avez pas vu grand chose du vestiaire parce qu'il n'y avait pas grand chose à voir au final. La grande scène avec les loges et après on va partir aux loges et je vais vous montrer d'autres choses et bien sûr le spectacle, bien sûr. Voilà. Voilà l'écran sur lequel sera diffusé. Eh non, je rigole, il est là l'écran. Regardez la taille du bordel. C'est mis sur des espèces de boudins soufflés. Et en fait ce sera retranscrit sur cet énorme écran. Et bien sûr, bah, tous les artistes viendront directement ici. Je vais aller rejoindre le groupe de touristes parce que sinon je vais me faire engueuler. Enfin les touristes, des abonnés. C'est des abonnés de West France qui sont là pour faire la même visite que moi, sauf que eux, bah, ils l'ont gagné via un jeu concours. D'ailleurs, bien joué à eux. Et d'ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous grâce à West France à la fin de la vidéo. Mais il fait combien de mètres en... 40 mètres de ouais, longueur. Sur 14. Ouais. Sur 14 mètres. Okay. Bon, et là, on va du côté artiste. Donc bon, je suis pas encore un artiste, mais peut-être que c'est là où je vais rentrer plus tard, quand je serai rappeur. Voilà, on est dans le vestiaire de Lorient. Je rappelle que c'est fait, on est en ligne. Voilà. Ouais, je sais pas, ça a l'air normal. Quand ils rentrent, les artistes, en fait, c'est de la fumée qui est balancée comme pour le foot, quoi. Donc je rassure les gens. Hein. L'été, c'était tout simplement l'entrée des artistes. Les vestiaires, vous inquiétez pas, ils sont de l'autre côté, c'est beaucoup plus classe. Je rigolais en disant que c'était les vestiaires du FC Lorient, hein. Alors qu'ils sont en Ligue 1, mais vous savez très bien que c'est pas cela. Hein. Finalement, ils sont bien, bien plus classe. Mais là, c'est le côté entrée des artistes, donc forcément, je pense que c'est pas un truc qu'ils veulent rénover tout de suite. Ils ont peut-être pour projet de le rénover plus tard. Là, c'est la tribune extérieure, et là, pouf, le stade. En vrai, c'est impressionnant, mais moins impressionnant que les gros stades que j'ai fait, comme Bordeaux, etc. Mais c'est quand même impressionnant, et ce sera surtout impressionnant ce soir quand ce sera plein. Parce que là, c'est même pas ouvert au public. On a vraiment la chance d'être là, bah, tout seul, en fait. Hein. Tout seul, on va pas se le cacher. Il me tarde d'arriver aux loges VIP pour voir ce que ça donne, quand même. Et c'est super sympa comme visite. On peut aller directement sur la pelouse. Regardez, je suis un artiste. On est clairement sur la pelouse du FC Lorient. Voilà, j'ai le droit d'être un artiste. Et pensez à vous abonner à Verdose. On est clairement sur la grande scène du stade de Lorient. Là où vont être ce soir bah, tous ceux qu'on va voir en vidéo. Et je pense que ça va être assez impressionnant. Et c'est assez impressionnant de le voir comme ça d'ailleurs. C'est vraiment très impressionnant. Voilà, c'est bon, je pourrais faire mon rap. Regardez, là, on est en loge VIP avec West France. On est en train de boire un petit coup. Il y a les petits gâteaux derrière. Et surtout, regardez. Et nous, on sera juste là, en fait. Juste en bas. Ça va être parfait pour le spectacle. Je récupère ma caméra avant qu'on me la vole et puis je bois un coup surtout. J'ai été le seul à demander un verre de whisky. Est-ce que j'ai honte? Un peu.
Bon, et du coup, bah, c'est la fin de ce festival interceltique. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. J'ai pas pu vous faire d'outro en dehors de cet outro-là, tout simplement parce que quand je suis parti du stade, eh bien, vous imaginez bien qu'il faisait nuit et que de nuit, c'est compliqué de vous filmer quelque chose de super cool. Donc du coup, j'espère que vous avez kiffé. Un maximum de likes comme d'habitude. C'est des vidéos qui changent un peu de Gmode, qui sont de l'IRL, et j'en ferai de plus en plus parce que j'adore en faire. Et merci à West France encore une fois qui m'a permis de voir ce festival interceltique de l'intérieur. Dans la description, vous avez un lien ultra particulier, super cool. Vous savez, quand vous allez sur des liens d'articles de West France, par exemple, il faut payer 1€. Eh bien, grâce au lien que je vous ai mis dans la description, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien et si vous avez entre 18 et 25 ans, eh bien, vous n'aurez plus cette restriction de 1€ et vous aurez accès à tous les articles gratuitement. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour bénéficier de cette offre complètement gratuite grâce à West France. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous kiffe. Peace.